On continue Mars en chanson, la rétrospective avec Benoît Doremus. Très jeune, Benoît écrit déjà des poèmes, mais c'est à l'âge de 14 ans qu'il s'approprie la guitare paternelle et commence à faire vivoter quelques chansons au sein de groupes improvisés entre copains. Entouré de Richard Posselt, piano accordéon, et Franck Portal, à la basse, son premier concert a lieu en 2003. Son premier album, Pas en parler, où se mêlent son amour de la chanson et son admiration pour le hip-hop, lui vaut un coup de cœur à l'Académie Charles Cros en 2006. C'est la plus belle claque que j'ai reçue depuis 20 ans en matière d'écriture, confie Renaud, qui produira le prochain album de Benito. Voyons voir. Juste deux secondes, il paraît que mes chansons réchauffent. Est-ce que ça me plairait une vie pauvre? Que je peux pas, et je fais quoi à la place? Je fais comme ça, une petite vie sans trace. Mais je pourrais plus marcher droit ni te sourire en face. Léo, écoute-moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'ai franchement pas l'idée de rendre mal à la crever, de me retrouver à faire comme le pari. Un métier que je peux pas encadrer. J'envisage avec l'âge d'ouvrir la cage au passage. Mon petit peu de passage qu'en fait j'ai toujours laissé. Y'a 10 000 kilos de pression sous mes petites épaules. Mais rien qu'un en moins, rien qu'un, et ce serait pas drôle. Aux vieux qui m'ont mis dans le sang de l'encre, et c'est tant mieux, je peux plus vivre sans, ou alors malheureux, ils ont compris maintenant, faut que j'y arrive, nom de Dieu. Regardez bien, je deviens un putain de chanteur, une saloperie d'écrivain, et mon propre employeur en pavé, faudra bien, mais ça me fait même pas peur, moins que le quotidien.